Ce que nous avons à faire, c'est que les citoyens aient envie de la démocratie et la démocratie laisse toute leur place aux citoyens. Voilà l'enjeu de ce sommet. 5 years ago, we launched the Open Government Partnership based on a few simple principles. Our partnership has increased from 8 nations to more than 70, representing over 2 billion people. Let us join forces and unleash a powerful, inexorable movement for open government that can prevail over the dark, looming clouds that threaten democracy. When open government works, it improves every facet of people's lives. This is the moment to act, and we must do it together. Sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert s'inscrit dans une courte histoire, mais dont l'initiative revient au président Obama, qui avait souhaité, il y a quelques années, qu'on puisse organiser un meilleur dialogue entre la société civile et les pouvoirs publics. C'est un partenariat qui rassemble ceux qui souhaitent s'engager pour la transparence de l'action publique, la lutte contre la corruption, l'intégrité, l'ouverture des données, et l'association des citoyens à l'action publique, notamment grâce aux outils numériques. Nous avons le grand plaisir d'accueillir 4000 inscrits, beaucoup de représentants d'États membres de l'OGP, une quinzaine de chefs d'État qui ont été accueillis le 7 décembre dernier à Pleyel. Ce matin, on est venu présenter à l'OGP en fait un panorama de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis sur les civic tech. C'est là que tout avait démarré il y a quelques années. La civic tech, en deux mots, c'est comment la technologie peut se mettre au service du citoyen. C'est comment pouvoir redonner en fait le pouvoir à ces personnes pour qu'ils puissent impacter finalement et prendre part à la décision publique. Participer.nanterre.fr, c'est une plateforme de concertation qui permet de recueillir l'avis des habitants sur les différents projets portés par la ville de Nanterre. My pitch is about in our country, the participation has many barriers in public, in our government. So how to face the problem? My pitch today was about opening the national budget, and in one sentence I would say that very small group of citizens can make a change. It's not so hard, they just have to be determined. Connecting to this greater international community is so, it gives me so much energy to go back and continue what I do. Alors l'opération LIB, c'est 48 heures dans une petite commune de moins de 3500 habitants pour collecter des données, des informations sur cette commune et la partager ensuite très librement avec tous à travers des outils numériques. Je suis ici pour parler des ateliers citoyens, qui est un dispositif pour inclure la parole des citoyens dans la prise de décision publique. I came here to draw some conclusions on the trends we're seeing in open data use and highlight the importance of engaging users in developing open data policies in the future. We'll be right back.
Welcome to the Democracy Night, la nuit de la démocratie. Tonight, we are going to offer you a unique democratic experience. C'est vraiment ce partage d'expériences qui est aussi très riche et qui permet d'accélérer vraiment cet agenda et ce mouvement. Et puis ce qui est vraiment passionnant, ce sont les rencontres justement entre tout type d'acteurs, une communauté des gens qui échangent déjà, qui sont déjà en contact, mais qui là se retrouvent très concrètement, partagent leurs expériences, leurs défis. Et donc c'est aussi ce qui fait la richesse de cette rencontre. Chaque pays aujourd'hui a des expériences extraordinaires dont les autres peuvent s'inspirer. Et il y a les grands pays très technologiques, il y a les démocraties émergentes, et les uns ont travaillé la transparence, les autres la concertation, les autres l'action collective. Et donc nous sommes une administration de très haut niveau et qui justement doit apprendre maintenant à aller chercher l'intelligence collective à l'extérieur, à travailler avec les citoyens. Merci tout simplement de venir réfléchir, débattre, porter des valeurs, ces valeurs qui nous sont si communes, l'émancipation des citoyens. Ce sont ces thèmes-là dont nous avons débattu, dont vous avez débattu de façon extraordinaire. Donc vraiment, merci à vous toutes et vous tous. Merci, merci, merci.